compagnie de l'équipe de Redland avec Tristan, Colin, Léa, Méliane. Donc, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu, ça vient de où ça, Redland? Dans le fond, le film est un peu surnaturel. Puis dans le film, notre personnage principal s'en va un peu dans sa tête. Un endroit qui est un vide vraiment vaste, puis qui s'est éclairé par le rouge. Donc, on a décidé d'appeler ça Redland. Et d'où vous vient cette idée-là de Redland avec du rouge dans la tête? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes à vous, là? C'est pas à moi qu'il faut demander. Moi, je suis comédien. on s'est un peu inspiré de ce qu'on vivait, ce qu'on allait vivre à la prochaine session, parce qu'on est des premières années. Donc, prochaine session, on demande à l'université. On s'est inspiré un peu de ce à quoi il faut s'attendre dans la vie, dans le milieu du cinéma. Fait que, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de refus, il faut être prêt à ça. Fait que, on s'est inspiré de ça pour... faire le sujet de notre film, pas mal. Ben, c'est ça. Le personnage, il attend sa lettre d'acceptation pour l'université en cinéma. Fait que c'est pas mal pour ça qu'on s'est inspiré aussi. Et puis à date, votre première session, comment ça a été? Ça s'est bien passé, oui. Ouais. Puis comment vous anticipez votre deuxième session avec les demandes d'université? Est-ce que c'est quelque chose qui vous stresse peut-être? Où est-ce que vous pensez aller? C'est quelque chose qui stresse un peu parce que, tu sais, on a tout le goût d'aller à un certain endroit. Mais on se dit qu'on travaille pas et qu'on fait des projets qui sont bons à présenter, ben on risque de pouvoir rentrer là. Puis, ouais, c'est ça. Je pense que ça stresse un petit peu tout le monde. Puis c'est présent dans les esprits, mais qu'on n'en parle pas trop parce que justement, c'est ça, on veut pas trop stresser genre maintenant parce que c'est pas maintenant qu'il faut stresser. T'sais. Qu'est-ce que c'était comme un petit peu un projet libérateur de comment on le met dans un film puis après ça, on va avoir la tête reposée? Ben moi, en tout cas, en tant qu'acteur, ça m'a libéré. Là. Les autres, je sais pas. Là. Ben, c'est vrai que de parler un petit peu du sujet puis d'un peu d'explorer les possibilités, ça l'aide de justement voir personnellement comment est-ce que ça pourrait se passer. Fait que ouais quand même. Est-ce que vous avez rencontré certains défis dans votre pré-prod, post-prod, peu importe le stade? Oui, quand même beaucoup. Là. Des problèmes de communication dans l'équipe surtout. Là. C'était assez difficile. À part ça, ben, je sais pas, là, il y a tellement de choses, je sais pas. En tournage, ouais, il y avait le décor, il y avait l'éclairage parce qu'on tournait à peu près l'après-midi puis on finissait le soir, fait que ça faisait nuit, fait que ça marchait pas trop, fait qu'on devait la retourner, on a dû retourner une scène à cause de ça, là. Fait que ça nous a mis un peu plus en retard, c'est pas mal ça, là, je sais. Donc, mis à part ça, votre plus grande fierté par rapport à votre film? La scène 6. Le montage. Le montage, oui. Parce qu'on n'était pas trop sûr aussi au début de notre film. Là, fait que, le montage, c'est, on voit le résultat, finalement, c'est moins pire qu'on pensait. Là, mais genre, on est plus fiers. Mais dans le fond, justement, la scène 6 dont on parlait, c'est la scène où, que, dans le fond, il va dans sa tête et qu'il est vraiment dans le vide. Puis c'est la scène qu'on a mis le plus d'efforts au montage pour en rendre ça vraiment surnaturel. On a rajouté beaucoup d'effets sonores, aussi des plans de coupe pour que ce soit plus visuel, plus intéressant. Puis ça l'a vraiment comme monté, dans le fond, la qualité de ce bout-là. Puis on est vraiment fiers de cette partie-là en particulier. Là. Donc, si vous aviez un mot à mettre sur votre film, ça serait lequel? Là? Ça serait rouge. Rouge. Bien pensé. Donc, préparez-vous à rouge et surtout à la scène 6. Je vous souhaite une super belle soirée. Merci, toi aussi. Hey, ça va? Ben oui, toi? Super! T'as-tu vu les réactions à notre nouveau court-métrage? Non, ça ressemble à quoi? Écoute ça. Impressionnant. La composition est excellente. J'ai hâte à votre prochain projet. Et puis, il y en a plein d'autres comme ça. Bon, sérieux? Ouais. Ça a l'air qu'on n'est pas pire pantoute. Justement, je t'appelle parce que j'ai une super bonne nouvelle pour ça. Non. T'as été accepté à NYU? J'en viens toujours pas. What? Je suis tellement content pour toi. Hey, thanks. Tu veux jouer pour ça? Non, j'espère l'avoir bientôt. Écoute, faut que je te laisse, là, mais tu vas l'avoir. Merci. On se reparle bientôt. Alright. À la prochaine. Bye. Bye.
Yes! Non! Pourquoi? Je comprends pas. Pourtant, j'ai des bonnes notes. Mais peut-être pas assez. Oui, c'est ma lettre d'application. J'en ai peut-être trop mis. Puis, comment ça se fait que Félix a été accepté puis pas moi? Il est pas si bon que ça. En tout cas, il est pas meilleur que moi. Je l'aide encore à faire son white balance. Ça se trouve, NYU a vu notre film pis il trouve juste à chier. Non, ça se peut pas. Clairement pas. Ah! Pourquoi j'essaie toujours d'être le meilleur? J'aurais dû me trouver un plan. Fucking Félix qui obtient toujours tout ce qu'il veut. Ouais. Fuck NYU. J'ai rien à prouver. Allô? Bonjour, est-ce que je parle bien à Théo Beaulieu? Oui. À qui je parle? C'est Guy Tremblay, je suis réalisateur et j'ai récemment vu ton court-métrage que t'as mis en ligne. T'as beaucoup de talent, tu sais. Merci beaucoup. Écoute, je travaille sur un nouveau drame, puis j'ai besoin d'un DOP qui peut apporter une touche de nouveauté. T'en penses quoi? Pour vrai? Vous m'offrez une job? Normalement, je prends des gens qui ont un petit peu plus d'expérience, mais j'ai vu de quoi t'es capable. Si tu veux, je te laisse le temps de penser. Non, j'ai pas besoin d'y penser. Oui, j'accepte. On commence quand? Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.